Hello world, ici Mushu, et bienvenue à ce nouveau Mushu Semaine. Pour ce nouveau portail, nous avons le droit donc au retour des Fullbringer avec la disparition du Shingami suppléant, Extreme Divider, et donc avec des personnages revus à jour. Donc on a Jackie, cette fois-ci maintenant qui est en 5 étoiles, et ouais. Le Yukio qui a été revu, d'une certaine manière, dirons-nous. Et donc la Oriyeme, oui, de nouveau, on dirait, mais pourquoi encore Oriyeme? Mais cette fois-ci, on va pas s'en plaindre, parce que vous verrez, quand on va parler des stats, qu'elle vole. Donc Yukio, on voit que côté stats, il est quand même pas mal du tout, puisqu'il a le type, on va dire, hybride presque parfait. Oui, parce que côté attaque et côté pression spirituelle, il a plus de 700 de points, donc c'est bien, c'est très bien même, c'est très très bien. Le reste, c'est du standard, voire même du moyen. Mais bon, passons quoi. Après, à côté de ça, on voit que c'est un tueur de holo, donc dégâts plus 20%, donc c'est pas mal sur les holos. Attaque puissante plus les attaques, enfin l'attaque spéciale, faut savoir qu'elles peuvent paralyser, donc c'est très pratique. Et pour rajouter une touche de shit à ce personnage, on lui a mis un vortex stationnaire, donc pour sa attaque puissante numéro 2. Comment dire? Large, très large, extra large, oui extra large, on peut dire extra large, qui prend plein d'ennemis quoi, donc c'est pratique, c'est bien. Donc si vous voyez un peu la zone et qu'il peut paralyser plein d'ennemis en même temps, ça aide énormément, dirons-nous, ça aide. Donc côté son sous le trait, on voit que l'attaque normale, plus 20%. Oui, on voit que derrière dans les compétences aussi, des 6 étoiles, il a l'attaque normale étendue de 20% avec l'attaque renforcée de 40%, donc on cumule avec le sous le trait, on a 60%. C'est marrant, donc on veut le mettre dans ce sens-là, alors que le personnage, là, cette fois-ci, est de corps à corps, donc à voir. Enfin, corps à corps, un peu comme à la Byakuya, vous savez, on va dire, il lance ses flèches devant, là. Enfin, donc là, c'est pas vraiment ses flèches, c'est des petits cubes, on va dire, enfin, vu que c'est pixel, on va dire, enfin, c'est un peu compliqué, lui. Et donc, on voit aussi que la malédiction est renforcée de 5 secondes, donc ça, c'est bien, puisque, comme vous l'avez dit, toutes attaques puissantes, plus attaques spéciales paralysent, ça aide encore plus à paralyser, à bloquer le jeu et à pouvoir faire plein de choses. Et un déplacement supplémentaire, comme d'hab, le grand classique de tous les personnages, on va dire. À côté de ça, donc, bien évidemment, pour pouvoir l'éveiller, faire monter jusqu'au niveau 200, il y aura un niveau palier 6 étoiles aussi, donc les 3 de Goku habituels. Les personnages silver, cette fois-ci, sont le Toshiro et la Rukia en 5 étoiles, et le Ginjo en 4 étoiles. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Du coup, la volonté pour pouvoir, justement, passer en 200. Classique. Donc en gros, le personnage, vous dirais, c'est deux possibilités. Soit vous l'utilisez en tant que Link parce qu'il a des stats très intéressantes à linker sur un personnage dont le Kara Link est monté. Donc à voir. Ou sinon, de le jouer parce que, comme je vous dis, son Vortex, il blague pas, quoi. Il blague pas, donc il y a un fort potentiel dessus, je vous dirais. À bien méditer dessus, quoi. Et donc, un personnage de type hybride, bien évidemment. classique. Ou... Je vous dirais peut-être Chappie à la rigueur, peut-être Chappie si t'as passé fort, à voir, ça peut être équilibré puisque l'attaque normale a été un peu plus augmentée point de vue capacité, à voir. Oriyeme, eh oui la fameuse Oriyeme que on n'attendait pas tout de suite mais parce qu'il y avait plein d'Oriyeme en ce moment partout quoi, mais c'est surtout que là ils ont fait une Oriyeme utile, on va dire toute personne qui a une Unohana, c'est-à-dire son garçon sanglant dans sa box, dira Alléluia. Eh oui, vous allez comprendre au vu de ce détail. Le stat, pourquoi? Parce que, voilà, la Oriyeme à côté de ses stats a déjà 760 d'attaque. Magic? C'est beau. Après le reste, oui, c'est les standards, hein, la vie à 1052. Par contre, une défense pas si mal à 361, donc c'est pas mal, à pas négliger. Concentration, ouais, standard, on va dire. Pression, bah normal, pas énorme, puisque l'attaque est énorme. Et là, on voit qu'elle a tueuse de capitaine. Ah, il va jouer en ligne ou pas en ligne, du coup? Ta-ta-ta-ta! Après derrière on voit qu'est-ce qu'elle donne, elle tape tout, et en fait ce qui est pas mal aussi c'est dans attaque puissante, numéro 2, elle a bouclier.
Le bouclier, oui, le bouclier. Donc avec le bouclier, je vous dirais, maintenant, ça devient de plus en plus intéressant de la jouer réellement, quoi. À voir. On voit son sous-trait, donc voilà pourquoi. Violette, donc instinct, et dégâts subis, moins 20%. Si c'est pas cadeau, ça. C'est beau. Et donc après, en capacité, quand même, elle a l'attaque normale renforcée à 50%. Vous vous rappelez, c'est 760 d'attaque? 50%, ça vaut peut-être la peine de jouer avec, finalement. Attaque puissante renforcée à 40%, ah, peut-être la jouer en hybride, du coup. Attaque spéciale renforcée à 30%, oui, parce que ça peut être pété donc, complètement. Mais, avec son attaque spéciale, ils ont rajouté le brise-lame. Ça signifie qu'en fait, debuff sur l'attaque de l'adversaire. Pratique. Donc l'adversaire vous fera poum, vous ferez oh, j'ai pas mal. Et un déplacement plus rapide, supplémentaire, bien évidemment. Ouais. Donc après, on va côté personnage pour la faire évoluer. Déjà les Ogyoku, bien évidemment. Ensuite, le Tsuki, la Ryuka, de nouveau. Oui, Ryuka, de nouveau. On aime bien Ryuka, vous savez, il est sympa, Ryuka. Et donc, toujours en 5 étoiles. Et là, en 4 étoiles, on a le Chigo. Ouais, le Chigo. Pourquoi pas, c'est bien. C'est fait pour vous mettre un peu normal. Oriane, Chigo, s'il était pas, il y avait un truc qui clochait. Et volonté aussi pour monter à la fin, quoi. Donc, au final, ce personnage, je vous dirais. Ah, c'est un choix. Moi, je vous avouerais, si j'arrive à la voir, j'aimerais bien, du coup, la tester en jeu, voir ce qu'elle vaut. Parce que. Je pense qu'il y a un fort potentiel à faire en PVP avec elle. Après, si c'est pas un test concluant, voilà, ben, je linkerai du coup à ma Onoana qui sera complètement shit. Et même, je me tâte encore entre les deux. Ouais, je sais pas encore. Faut voir ce qu'elle vaut vraiment sur le terrain. Mais il y a du fort potentiel. Et donc, on termine avec Jackie. Oui, Jackie, ben. Oui, vous direz pour le principe, c'est vrai qu'on l'avait jusqu'à présent en 4 étoiles, donc oui, c'est logique de la mettre en 5 étoiles aussi, c'est logique. Donc là, ils nous ont fait un bon vieux personnage, comme on dit, Sad, qui envoie du lourd, quoi. Donc 761 de pression spirituelle, ouais, donc ça fait plaisir. Le reste, c'est des stats standards, donc pratique pour jouer dans le PVE, donc ça joue. On peut peut-être la linker aussi, il faut voir après dans le détail des stats qu'il y a, quoi. Là, c'est un tueur de l'eau, donc tueur de l'eau, plus 20% de dégâts sur les eaux. Ouais, pourquoi pas. Un petit coup, on va dire, violent, on va dire, qui fait très très mal lorsqu'elle utilise son spécial, mais sans plus, voilà. Ouais, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a après sous le trait dégâts d'attaque puissante, 25%. Ah. Personnage qui peut servir à un bon Lynx. Peut-être un LPT, par exemple. On voit qu'ensuite capacité, donc elle a l'attaque normale en force à 20%, donc forcément, donc, on voit qu'elle a eu l'orienté. Vers la présence spirituelle, donc vers le SAD. Et on voit justement qu'il y a la Frenzy, donc l'attaque lui semble déchaînée. Et oui, et classique. La spéciale a été renforcée de 40%. Oui. Bon point. Qui fait que peut-être ça vaut son coup de jouer effectivement avec elle en PVE, plutôt que de la laisser dans son coin. Elle a le soutien, donc elle a le boost. Donc plus 33% sur l'attaque, la défense et la concentration. Donc, why not? Et un déplacement supplémentaire quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire, donc c'est... Ah, ça peut voir. À voir. On voit ensuite que pour débloquer ses capacités, vous aurez donc besoin, donc toujours pareil, de Goku, de Tsuki. Oui, Tsuki, toujours pareil, il reste dans le coin, normal. Hein. Là, cette fois-ci, un RNG aussi, donc le 2 en 5 étoiles. Et les 4 étoiles, de Genjo. Oui, c'est boss quand même, pas déconner. Et donc du coup, on voit aussi qu'il y a les volontés aussi. Et au final, donc ce personnage... Paye pas de mine, mais il a le boost. Il a le boost, gros stat de pression spirituelle, le frenzy. Peut-être, je vous dirais, non, même pas. J'allais dire PVP, mais non, on va dire, si vous avez déjà le Kyura, ça vaut pas la peine de trop changer, je dirais. Mais voilà, quoi, c'est. Oh, quoique, à test, à voir. Donc, au vu des stats, on voit bien que les personnages ont chacun une possibilité d'être aussi bien linkés qu'aussi bien d'être utilisés en PV ou PVP. Donc, on verra bien si la chance est de mon côté pour pouvoir les avoir très rapidement. Parce qu'en ce moment, avec la team donc de la guilde, on est en mode on va monter quelques-uns en commandant. Donc, ça coûte pas mal d'orbes et donc l'ensemble, c'est un peu compliqué. Donc, même là, je fais et je surveille en même temps les battles, vous imaginez. Mais avant toute chose, oui, d'abord mes tickets silver. Here we go. Les tickets silver comme d'habitude. Et donc maintenant après, ce qui se passe, on a du flow, de l'énergie, de la vibe, du Mushu Spirit. Donc, comme vous le voyez, j'ai pu cumuler 805 orbes.
Techniquement, il y a une partie qui servira aussi pour les battles là, que je vais continuer après, puisqu'on est en termes de montée de commandant. Oui. Histoire de revenir là-bas un peu, de s'installer un petit peu. La TMW, vous savez ce que c'est. Bon, assez parlé, il est temps de pull. L'énergie est là, présente, il faut que ça pull très rapidement, il faut que ça tombe très rapidement. Le stress, vous imaginez pas. Mais j'y crois. Que le bon pull soit. Oui, mais merde dans ton coin, moi je voulais pas. Ah. Ouais, vous avez bien vu comme moi, ce premier pull m'a pull out, you know. Bon, comme on dit, voilà, on peut pas toujours avoir directement du 5 étoiles qui tombe. En fait, fallait juste que le premier me fasse, hey, t'as mis des orbes, maintenant, tu vas avoir le droit à ton 5 étoiles. Reste dans cette positive attitude que le 5 tombe. Oui, c'est ça que je voulais voir, mais version 5 étoiles. Enfin, que j'ai déjà, effectivement, mais... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, hop, hop, hop. Bon, là, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. On se ressource un petit peu là. Batterie rechargée. Je sens qu'elle viendra. Comme ma belle. Yueni Mabisuke. Flopé de 4. J'ai fait le mal, j'ai pioché dans ma Mushu Bank. Oui. Et j'ai touché à ce que je pensais pas toucher maintenant, et voilà quoi. Et j'espère que je vais avoir quelque chose, parce qu'après il y a les battles que je dois encore continuer. Et ça va être compliqué là, je joue gros, mais j'espère. Donc là maintenant, c'est parti, et on joue donc 1000 orbes au final. J'ai un 5 étoiles, je suis quand même content. Bon, vous savez tous bien sûr quel personnage attendait, hein, bien évidemment. Hein. Ah, mais bon, c'est pas grave, voilà, j'en ai quand même un, c'est cool. Alors, des fois, sait-on jamais, ça m'est déjà arrivé sur des 3% d'en avoir un autre qui tombait comme ça, ni vu ni connu. Alors, de me dire peut-être que cette fois, comme dernière fois, ça pourra me faire un petit cadeau. Bon, content, mais c'est embêtant. Enfin oui, content quelque part. Ouais, bon. C'est cool, il y a un nouveau, j'ai quand même un nouveau, donc c'est cool. Bon ben voilà ce que j'ai eu donc pour un cadorbe pour ce gacha Extreme Divider. Je suis quand même content, parce que si vous réfléchissez bien, j'ai quand même beaucoup d'accessoires en orange. Et j'ai beaucoup de choses, effectivement, je commence à avoir pas mal de mon perso aussi en orange, donc là ça complète aussi mon stuff. Là c'est vrai que le petit Yukio, il a un peu le même emploi que mon Wazangetsu, donc... Voilà quoi, mais techniquement je pense qu'il est quand même supérieur au Wazangetsu, donc je vais faire un test pour voir avec. Voir peut-être le jeu en PVP, sait-on jamais, à voir, parce qu'il peut être intéressant quand même l'air de rien à jouer. Donc vu mon stuff, il y a moyen de faire quelque chose. Bon, on va regarder. Sinon après derrière, c'est vrai que voilà, je voulais la Orihime parce que ça aurait été un très bon bonnet pour ma Noana, parce que voilà, actuellement je mets des builds que je voudrais pas mettre. C'est pas le même build que je voudrais mettre quoi, donc là il me fallait un link de dégâts subis violet, et bon, et tant pis. A voir peut-être plus tard si j'ai de nouveau des orbes, mais là j'y crois pas vraiment trop, donc
je sens mon réécho de nouveau, quoi, et plus tard, il reviendra sur un portail, comme d'hab, hein, c'est comme d'hab, les personnages reviendront, peut-être dans un mois, il reviendra, et là, on priera très 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 fort. Ouais, ou sinon, on filera dans un autre gacha. C'est faisable aussi. Sinon, vous avez pu remarquer que actuellement j'ai pas mis beaucoup de vidéos parce que tout simplement j'avais besoin de souffler un petit peu parce que bah, le mouchou il fatigue aussi au bout d'un moment et il fallait que je m'occupe aussi des choses de la vie réelle quoi on va dire. Donc j'avais pas vraiment beaucoup de temps ce temps-ci et j'étais très très fatigué donc même là je suis encore pas mal puisque là j'ai de rattraper un petit peu tout ce que j'ai dit que je ferais quoi. Donc voilà quoi, mais on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Donc bah, de toute manière vous pourrez voir aussi dans l'actualité côté Twitter ou côté page Facebook The Mouchou World bah, un petit peu ce qui se passe aussi, est-ce que je mets un petit peu en information vidéo qui va arriver. Aussi vous pouvez maintenant aussi me retrouver sur l'Instagram, là je l'ai mis à Mouchou TMW, vous pourrez retrouver le lien via la page de Facebook. Donc aussi hein. Et pareil faut me retrouver donc sur la page du groupe Facebook BBSFR bien évidemment. Je suis quand même assez régulièrement on va dire. Après derrière bien évidemment ben si vous avez la possibilité n'hésitez pas donc à aller sur la page de Tipeee parce que voilà donc du coup ça m'aiderait on va dire vraiment activement si vous pouvez faire des dons et un geste pour pouvoir donner un coup de main à la chaîne. Je suis toujours mon autre projet comme je l'ai dit pour pouvoir faire des aides à la chaîne sans forcément dépenser des euros. Donc, j'attends encore la validation de l'inscription. Ça met du temps comme d'habitude mais bon. Ça va bien tomber au bout d'un moment comment dire. Voilà, faut bien. Donc sinon si la vidéo vous a plu n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce, like que vous aimez bien. Et aussi si vous découvrez la vidéo, à vous abonner tant qu'à faire ainsi hein, parce que donc du coup vous verrez encore d'autres vidéos mouchou dans un monde totalement mouchou world. Yeah. Donc sur ce, mouchou vous dit de passer une très bonne journée et vous dites chou. Ciao.